Salut à tous, c'est bien sur Magic Arena FR, comment ça va? Ça va très bien, et Ça toi? va très très bien. Boros Convoque, juste le petit Boros Convoque qui fait plaisir, qu'on a présenté dans la vidéo budget, donc là en version pas budget évidemment, qui est le descendant direct du deck de Pionnière. D'habitude ça va dans le sens inverse, C'est on a vrai. d'abord un deck de standard qui devient un steak de, un steak, Un un steak de deck de pionnière. Pionnière, et là c'est plutôt un deck de Pionnière, on s'est dit, est-ce qu'on peut pas un peu Bah, en jouer fait, ça en c'est standard? recruteur d'Imodan avec Eldraine qui a ouvert la porte à la Ouais. version standard, là où il nous manquait vraiment des finishers en standard à l'époque par rapport aux cartes de pionnière. Mais c'est vrai qu'à la base, le deck de pionnière, il s'est monté grâce à une carte de standard qui s'appelle Démolition Jubilatoire. Et du coup, ça a fait le pattern inverse, quoi. Mais du coup, là, c'est vrai que le deck est vraiment très très bon en pionnière et franchement très fonctionnel en standard. Ça, c'est une liste qui a top 8 au dernier challenge MTGO. Donc, Ouais. c'est pas rien, quoi. C'est solide. C'est quand même des tournois qui sont assez compétitifs. Et quand bien même le format standard est très diversifié, avec des decks établis, tier 1 vraiment très puissants, bah, je trouve ça intéressant qu'on puisse quand même Boros Convoque, qui est un deck un peu budget, agressif, marrant, et que ça s'insère globalement quand même un peu dans le metagame, quoi. Carrément. Avant de vous parler de la decklist, le pouce bleu comme d'habitude, anticipation de confiance. Abonnez-vous aussi, ça fait plaisir. Vous êtes moins de 30% maintenant, mais vous êtes quand même pas loin des Allez, 30% à regarder les vidéos 25%, sans ouais. être abonné. Donc n'hésitez pas, juste abonnement, je te rigole. Merci aussi à nos sponsors Play My Magic Bazaar, code VALEPL 2023 sur la boutique, 50% de points de fidélité pour vous et ça nous soutient. Encore une fois, on est au mois de décembre maintenant, moins d'un mois avant la fin du code, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas utilisé. Et merci beaucoup Ultimate Guard, lien affilié dans la description. Merci. Vous cliquez sur le site, vous faites vos petits achats Ultimate Guard, ça nous soutient directement. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ce deck, Boros Convoque, donc encore une fois, très simple. On met des créatures et on convoque la chevalière errante pour piocher des créatures. Ou alors, on joue recruteur d'Imodan pour tuer. Bon, Evangeliste marche aussi un peu, Oui, ça mais. va. Ça s'insère bien dans le plan. C'est un recruteur d'Imodan supplémentaire, mais qui doit attendre Mais un on le voit tour avant. venir. Voilà, on le voit venir avant de faire son effet. Par rapport à la version budget, on a Gardienne du Ciel Intérieur, qui est vraiment une excellente carte, Ouais. qui rajoute un décompte, un compte de tour 1, entre guillemets, pour créer du board rapidement, et Et qui c'est le en wincon plus aussi. bénéficie de ce board-là pour grossir elle-même. Donc du coup, ça s'insère plutôt bien. Ouais. Dans la version non budget aussi, on a une bonne mana base, avec bah, des bivouacs tourmentés pour mettre les derniers points, des bilans pour pouvoir splasher nos, enfin, jouer nos couleurs convenablement, et des cavernes des âmes. Parce que finalement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de cartes qui sont humains. Ouais. Et ça te permet, notamment sur une chevalière Errant des Os que tu vas souvent faire au tour 3, de contourner Mec d'Isepierre, qui est joué dans les deux meilleurs decks du format. Et c'est pas mal ça. C'est vraiment important de pouvoir dire humain sur ta caverne des âmes. Ouais, c'est assez fort. Donc mana base, voilà, grosse différence avec la déclisse budget, évidemment. Un petit Inti, pourquoi pas. C'était dans la liste, j'ai pas touché. Ça fait plaisir. C'est un peu le quatrième Lapicorne qui est remplacé par ce Inti. Ça permet de faire un peu de value, de grossir des bêtes. Pourquoi pas, ça me choque pas. Moi, j'aime bien la carte. C'est Donc, cool. et en plus, il y a un immense dinosaure dessus. Ouais. D'ailleurs, qui est beaucoup plus impressionnant que Inti. Sans manquer de Mais respect à Inti. Hein. c'est souvent ça sur les cartes. Des Mais. fois, tu te dis, ah, oh, c'est lui, Inti. Et on te dit, non, non, c'est le petit humain qui est juste Ouais, là, en c'est fait. comme le chevaucheur d'elfe là. Ouais, c'est C'est ça. pas le dinosaure en dessous, c'est l'elfe. C'est ça. Le gros loup. Le gros. C'est un loup? Je sais pas, ça ressemble à un loup, ouais, je crois. Dans ma tête, c'est genre un triceratops. Le chevaucheur? Non, pour moi, c'est un loup. Le. Comment il s'appelle? Pour 3 mana verts, hein? Le Ouais, ouais, 5-4. ouais, ouais le 5-4 pour 3 mana vert, ouais. Ah, je me rappelle plus comment il s'appelle. Je vais Là, on aller l'a beaucoup voir, joué, je vais ça. aller Bon, voir. allez voir. Je te laisse parler du site, je vais aller voir. Bien sûr, en side, un petit vétéran Lunarque, pas piqué des hannetons. Bon, ça permet de gagner des petits points de vie. C'est bien contre aggro, c'est un peu gratuit, surtout qu'on gagne beaucoup de points de vie avec le vétéran. De détruire le mal, 4 annonces du mariage qu'on va swapper certainement avec une carte du main deck. Pour grinder, ça sera notamment très bien. Ouais, notamment bah, la Lapicorne contre interaction, c'est pas très fort, donc peut-être qu'on peut virer des Lapicornes, mettre des annonces du Tout mariage, à fait, ouais. typiquement. Deux barrages lithomantiques contre Esper, ça dégage. Bon, on pourrait jouer aussi contre d'autres decks, notamment Azorius Azorius Tempo, qui Tempo est qui est très très populaire en ce très moment. populaire exactement, ça marche bien. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment pour tir raffine. Chet! Ouais, Raffine, ça dégage. Flamboiement de lanterne x2 anti-bête qui marche bien avec le board, donc pourquoi pas. Et en plus, on joue Boros, donc on peut le trancher si besoin. Une sortie explosive et 3 Talia Gardienne de Traben. Qui sera très très bien contre les decks plutôt basse contrôle avec beaucoup d'interactions. Comment s'appelle cette carte dont on parle? Je me rappelle pas. Bah, moi non plus. C'est pas Chevaucheur quelque chose? Non, c'est pas Chevaucheur d'Elfe. Mais je sais pas alors. Terminé, c'est parti. Terminé. Et d'ailleurs, ça fait 2 vidéos qu'on oublie, encore une fois. Petit commentaire. Et pourtant, j'en ai screen quelques-uns. Je vais Ah! voir si jamais j'en ai conservé un ou Vas-y, pas. vas-y. C'est fou ça. Bah, c'est fou, on n'a pas encore Bah, pris dans la le. vidéo budget, on avait un plan de jeu, tu vois. On avait un plan établi, donc c'est normal. Mais dans la vidéo aggro, simic, c'est étonnant.
Ben ouais, tu vois, Ouais, pas grave, hein. on est perdu. On est sur mon compte. Brosse convoque. T'en as un? J'ai screen celui-là, mais je sais pas pourquoi. Je crois pas que ce soit celui-là que j'avais screen au préalable. Non, ça doit... c'était peut-être un autre. Normalement, on le C'est fera dans la parti. prochaine vidéo, c'est pas grave. L'idée vraiment à chaque fois, c'est d'en ressortir dès qu'on a vraiment pris le temps de sélectionner. Eh oui. Et on n'y est On pas, hein. On n'y est pas a trouvé juste. très vite. Ah, donc tu veux quand même le faire là? Non, je regardais parce Ah, que j'ai eu une d'accord. notif. Je me dis Ok. peut-être que c'est ce commentaire-là. Paf! Maintenant. Là, le commentaire que j'ai screen, je sais pas pourquoi, c'est la planète d'Agoba, c'est pas la planète du roi Dagobert. Très bon commentaire, merci à Très toi. bon commentaire. Mais je crois pas que ce soit celui-là que j'ai screen. Ah! De la merde, ça. Ça nous fait encore ça, comme sur la liste Ouais. simique. Genre ça, on doit dire soldat. Ah non, on peut ne pas dire soldat. On peut le casser avec de l'incolore. Ouais. Donc on peut dire humain, caster ça. Mais du coup, si on trouve pas de land, on joue pas l'épicurien. Bah, je crois que tu vas dire vampire pour casser l'épicurien du Ou coup. vampire. Ah oui, parce que ça, on aura le temps. Ouais. Ouais, bah vas-y, garde C'était ça. Hein. bizardos, C'est hein. pas dingue. On garde. En plus, il commence. Bizardos, c'est Weirdos du coup. Ouais. Ok. Putain, il y a l'anneau. Mais il faut que je change Tu m'as de pas dit base. qu'il fallait que tu changes là? Ouais, mais en fait, je change dans mon deck, mais pas en général. Du coup, comme là, on D'accord. a créé un nouveau Eh deck. ouais, bien sûr. Bon, du boulot. Bien sûr, bien Oh! sûr. Mais vampire, du coup, Super. c'est parfait. Vampire, empire. Et pam! Et là, on met un point de dégâts à cette sirène. Ça serait bien. La carte serait plutôt intéressante. Serait ban, tu crois? Non, mais. Hop! Ah, je sais pas, hein. En vrai, tu mets un, tu crées un token sang sur une 1-1. Ouais, il y a moyen que ça soit pas ban, mais vraiment fort et joué, quoi. Ouais, on se dit bon chiant quoi. Ban, je pense pas, mais fort. Moi je banne tout. Je bannirai même chaque semaine ça change un basique. Tu bannis un basique? Ouais, mais chaque semaine Putain. ça change. Ah ouais, mais du coup, ça modifie le méta à chaque fois, Et quoi. c'est ça. Ah, c'est marrant. Comme ça les mecs ils jouent qu'une couleur, ils sont deck genre mono rouge. Zou! Alors, notre pot, il joue pirate. Pirate! Équipier inébranlable. On a déjà parlé dans une C'est. vidéo, tu le sais maintenant. Oui, bah, on ne peut pas le branler, quoi. Voilà, exactement. C'est le nom de la carte, hein. C'est amusant, pirate, quand même. Devrait être plutôt sympathique, notre adversaire. Ah, on l'espère. Stanley Tucci en face. Il n'y a Ah, pas c'est pas de. sympathique ça. Oui, On ça n'a pas va. pioché de land, je suis très content. Ça va aller. Je suis très très content. Bah, tant mieux, on fait un petit frontalier et tout, là, on est bien, là. Tant mieux, j'irai pas jusque-là, mais. Non, mais ça va, quoi. C'est Oh, je lui pas. mets un point. Pas très très grave. Finalement, là, ton plan, il va bien se passer. Lui, en face, il te propose pas non plus. Propose pas raffine, Ça quoi. va. Ça va. Ça va. Paraffine. On a vu du coup que c'était. Bien. C'était bien la paraffine. Oui, et raffine aussi, c'est Mais bien. ouais. Bah, les deux, en fait. Mais je préfère paraffine Tu quand préfères je pas joue raffine? contre. Ah oui. Oh, ça dépend le deck que tu joues, quoi. Bah, pas beaucoup, Deux decks qui sont hein. bien Ouais. contre raffine, spécifiquement? Genre, quel deck tu joues, tu dis, oh, j'espère que je la graffine. À part pour tester en vidéo. Je crois que Golgari, c'est fine contre Raffine, c'est ok. Ah ouais, mais Golgari en ce moment, c'est un peu dur, non? Il y a d'autres C'est decks qui sont pas. compliqués parce que ça marche très très bien contre 5 Serum qui lui a pris un vrai buff. Mais moi en tout cas, je m'en sors bien avec ça. Ah, peut-être Azorius Tempo. Bref, moi justement, je trouve qu'Azorius Tempo, finalement, on va un peu tous migrer vers Raffine parce que Azorius Tempo, c'est. Enfin, Raffine, c'est Esper Tempo, quoi, finalement. Ok. Je trouve, hein, mais bon, j'ai pas beaucoup beaucoup d'échantillons de game. Qu'est-ce qui est cool aussi contre Raffine? Crois que tu veux trade. Moi, j'ai une bête qui se pose, lui non, donc je suis content. J'ai l'impression que 5 Serum, c'est plutôt ok contre Raffine aussi actuellement. Ce petit évangéliste, Ouais, je peux vas-y. attaquer. Est bizarre cette game. Bah, il joue un truc qui est pas trop attendu. Ça nous laisse le temps de développer notre plan de jeu, mais notre plan de jeu, nous, là, il est un peu mollasse, quoi. T'as vu là, les tatouages? Elle Elle est est stylée, stylée, hein. elle est bien stylée, Ouais. effectivement. Pourtant, les tatouages, ils sont pas particulièrement stylés. Mais juste une chauve-souris tatouée, on se dit que c'est Mais c'est stylé. parce qu'elle est tatouée, ouais, c'est ça. Ouais. Mais comme les humains, hein, globalement, tu peux apprécier juste qu'une personne soit tatouée sans faire attention spécifiquement à ses tatouages. La chauve-souris tatouée ou la chauve-souris tamouée? Elle est tatouée et tamouée. C'est Me fait rire les ça. chauves-souris du Nord, ça. On fait tellement bien les accents. Alors on peut se permettre, on est du sud. Hein. 13h37, Mais voilà moi, l'émission. j'ai un pote qui est du Nord, donc Non mais globalement. forcément, tout est au nord pour nous. Et je me permets tout. Donc si on dit c'est le nord, C'est vu vrai. que nous on est à côté de la mer, il n'y a rien au sud de nous. En France. Oui. Donc Oui, parce que sinon, il y a quand même la moitié de la planète, quoi, qui il y a est beaucoup plus de choses au sud qu'au nord. Finalement.
Tu veux vraiment trade ton board? Viens, on garde notre board, hein. C'est le but de notre paquet, je crois. Bah regarde, si je trade, on a 18. Ouais, c'est de la merde. Hein. Je crois qu'on va garder notre board. On a un petit mana avec cette Et ceci. là, tranquille, hein, tu fais frontalier dans renfort résolu, tour d'après recruteur sur ton board, into j'ai au préalable réanimé un frontalier, t'es bien. Hein. Je peux aussi juste recruteur, hein, c'est peut-être mieux. Hein, en rituel. Non, je crois J'ai que j'aime 5 bien. mana. Non, moi j'aime bien frontalier renfort à coup de double recruteur sur deux tours et à moyen que tu le défonces. Ok. S'il voit pas venir ton plan, je pense que c'est pas mal. Donc là, je passe. Ouais, là tu passes. Et méchant trépasse. Ouais, lui il fait full attaque et toi derrière tu lui fais un vrai gros comeback quoi. Tu peux même double recruteur si tu top deck un land, c'est dire. On a compris l'équipier qu'on. Hein? Bon. On ne peut. Ah, on ne peut pas. Ok. Ah, bah, ça se voit. Ça se voit que lui, tu le. Tu vas pas lui chercher ce genre d'ennui. Ah, Ok. Bray! Tu cherches pas ce Bray! genre de bail, quoi. Tu connais Bray? Ah, je connais Bray. C'est fort Bray. Ah, c'est pas mal, Bray. Bah là, 3 triggers. Oh, vas-y, mais. Trigger toutes les cartes de ton deck, Yugi. Faut juste pas qu'il pose beaucoup de blocs. Alors, ça tombe bien qu'on t'ait pas bloqué. C'est ça, c'est la first try quittée de l'objet. Ouais, mais nous on va faire un board large. 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 Bart, viens ici, mon garçon. Oh Ouais, là y a là, rien. y'a rien qui va. Rien qui va, c'est fou, hein. 3-3 first strike. 3-3 first strike. Hein. Mais TKT, on va compter là. Alors attends. Non, c'est bon. Non, je rigole. Ah! Alors maintenant. Ah, oh, viens, je mets tout. Viens, on compte pas. De toute façon, on va mourir là. Frontalier, démolition, recruteur d'Imodan, je te laisse y aller. Frontalier. On est d'accord que ça fait un mana, l'autre machin là, je me suis pas Oui, trompé. c'est un trésor. Ouais. Ok, donc c'est bon. À cause de lui, c'est un trésor. Frontalier. Démolition. Sur le trésor. Ah oui, sinon. Sinon ça pue. Sinon tu Merde. castes pas Imodan. Il y a un mana. On Non, va mais rien ça faire. va. Oh, il a Spell Pierce, imagine. Mais il a Spell Pierce, c'est un deck pirate. C'est un truc de pirate, Spell Spell Pierce. Pirates. C'est un truc de filou. Vas-y, nous Spell Pierce pas, on peut les payer. On les paye, on les paye. Voilà. Merci, poulet. Je t'invite à tuer l'adversaire, s'il te plaît. Je pense qu'on tue pas, mais. Je pense qu'on tue, bon. TKT. Surtout pas compter. Bah, de toute façon, on va crever le tour d'après, quasiment. Je pense qu'on tue. Pas large, mais tout pilus. Oh, Il a pas l'anti-bêta. d'interaction. Il a Ouais, s'il a anti-bêta. anti-bêta 1, il est fort. Je mets tout. Ah bah tu mets tout, de toute façon, là. The box and the clue. Sur le truc S'il qui a pas vole. d'anti-bête, tu whatever. Ouais. Et sur le truc qui vole. Parce que là, on part du principe qu'il n'y a pas anti-bête. Non, diversifie les menaces. Vas-y, vas-y. Mais non, c'est ça, c'est des points qui passent dessus, c'est mieux. Eh ouais, mais il a peut-être des. Il a peut-être anti-bête. Ah mais du coup, on a perdu si l'anti-bête. Donc autant Je tout crois mettre même pas, là-dessus. hein. Je crois que si tu comptes, on a quand même gagné. 16. Il y a toujours 8 attaquants qui passent. Je diversifie. Mais c'est con, vaut mieux mettre sur un truc. Non, je sais pas. Ben, en fait, ça Tu me fais dépend. douter là. En fait, s'il a anti-bête et que tu diversifies pas, on est peut-être one-off. Alors que s'il a pas anti-bête, mais faut compter, on peut compter, regarde. Il bloque recruteur et il bloque Oui, la c'est pas 2-1. compté, Val. C'est Ah les ben non, artifices. mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui passent. Il bloque ces deux-là, il a pas d'anti-bête, tu mets 8, 9 en plus. Normalement, tu tues quoi qu'il advienne. Donc fais ce que tu veux. Je mets sur le renfort. Mais du coup, Renfort. j'en ai mis un dessus, hein, déjà. Oui. Vas-y, vas-y. Bah là, t'as diversifié du coup. Si t'en as mis un Diversifié, du dessus. coup. Ouais. Et là, je rêve que Tucci soit là en mode. Oh, mais quand même! Comment a-t-il fait? Oh, c'est bien joué. S'il est anti-bet sur la 3-2, normalement, il prend quand même. Ah non! S'il est anti-bet sur la 3-2, on lui met 14. Il y avait deux trésors? C'était pas une map, l'autre? Alors écoute, là, on le tue pas. On le tue pas, et il nous tue. Et il nous tue. Mais bon, on pouvait rien faire, puisque de toute façon, si tu mettais tout sur la chauve-souris, il la gérait aussi. Donc on a bien fait de diversifier. Ouais. Dommage. Mais attends, comment il a eu deux trésors? J'ai pas fait attention. J'ai juste vu qu'il avait de quoi jouer une interaction, quoi.
On pouvait... J'ai loupé un truc, j'ai l'impression qu'il n'en avait qu'un. On pouvait pas faire mieux de toute façon dans cette game. On aurait pu peut-être garder des... Ouais, mais si on garde des blocs, on donne et c'est de la merde. Non, non, il fallait tourner autour du fait qu'il est pas d'anti-bête. On pouvait pas faire autrement. Et en plus, pour moi, il avait un spell Pierce, tu vois, pour te dire. Ouais. Écoute, lui, sur cette game qui était un peu pourrie, on a bien failli lui tourner le coin. On a failli. Je suis plutôt pas mécontent. Je veux pas forcément d'anti-bait, jusque ça, c'est trop fort contre lui. Ouais, bien sûr, je pense que tu peux enlever les frénésies. Ça, hein. C'est bien, si je vois gros. Oui, oui. Frénésie, c'est cher. Je sais pas si je veux des annonces. Je vois pas trop l'intérêt de Inti, mais... Non, tu veux pas d'annonce. Je vois gros, donc... Inti, c'est pas très bien. Il disrupte pas tellement ton plan de jeu, donc... Non, juste comme ça. Vas-y, go. Vétéran, ça fait gagner plein de PV, et en plus, c'est une betfly. De quoi? Vétéran, ça fait gagner plein de PV, c'est une betfly. Donc c'est bien. Moi, ouais. Enfin, c'est une belle faille quand ça revient. Si jamais il a des interactions, en plus ça revient. Donc, non, c'est ok. Là, le PV. Non, même si tu mettais les deux marqueurs sur la chauve-souris, il nous tuait avec anti-bête. Et là, qu'importe comment il bloquait, on avait l'étal. Donc, on a fait la meilleure chose qu'on pouvait faire. On pouvait pas tourner autour d'anti-bête. Et s'il l'avait, qu'importe comment tu répartissais tes dégâts, t'étais battu. Donc, c'était fine. Bah, du coup, t'as joué la meilleure possibilité. Il a fini à 2 PV, c'est ça? C'est ça. Un petit point et je mets ma bête en flash. En fait, il y avait toujours 7 attaquants qui passaient whatever et 8 il avait pas d'anti-bête. Qu'importe comment tu répartissais et qu'on mette 2 ou 3 par créature, ça le tuait. Tu penses que mettre ça en rituel pour mettre un marqueur, c'était mieux ou fallait mettre un point? Ouais, je crois que c'était mieux. Parce qu'un marqueur, il peut être bloqué au sol. J'ai pas en réfléchi fait. Parce que j'étais encore sur l'explicitation de la game d'avant, mais je crois que c'était mieux. En fait, là... C'était mieux parce qu'en plus il était full tap, il aurait rien fait. Ouais, mais là on a envie de convoquer, donc mettre un marqueur sur un truc qui va convoquer, c'était pas opti. Non, mais finalement le 1 point de dégâts il est pas énorme non plus, tu vois. Donc, oh, il y a Picron. Là du coup je fais renfort. Ouais, renfort, je vais bien sûr. Surtout que là il est full tap, là tu as déjà gagné. Je me régale. Ouais, je croyais que c'est ça qu'il avait tout à l'heure, j'ai bilvesé. Mais je te dis, de toute façon, ça changeait rien, hein. Qu'il ait un ou deux trésors, t'étais obligé de prendre cette ligne-là. Oui, mais c'est que du coup, je me serais dit, ah, il y a plus de chances qu'il ait un truc. Là, comme il y avait qu'un mana. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que même s'il avait un truc, tu pouvais belle, pas. Hein. Ouais. Tu pouvais pas prendre une autre ligne, même s'il avait. Même si tu anticipais qu'il avait un truc, quoi. Du coup, avec 5 lands on the bottom, là, les chances de piocher un land, elles sont plus assez dégueulasses. Plus complexes, ouais. Mais bon, t'as déjà un vrai board, hein. Oui, je peux faire renfort, chevalière, mettre un marqueur sur la gardienne. Je peux la picorne aussi, chevalière. Oui, puis dès que t'as un land, de toute façon, c'est... Ah, c'est la fête. Échec et mat, quoi. Échec et mat. Oula, oh, et ça, en boulette, c'est bien lent, j'adore. Ça, c'est mollasse. Oh, mais y 2 points, là. Il va être tenté, là. Oh, dommage. Chut. Voilà. Nickel. Un land. Alors, je pense que là, tu fais renfort, chevalière, et ensuite, tu mettras des marqueurs sur gardienne. Ouais. J'attaque ou pas avec chevalière? Est-ce que t'as assez? Bah, tu verras après si tu préfères attaquer ou buffer ta gardienne. Suivant ce que je pioche, là? Ouais. Toi qui choisiras. Renfort hein, du coup. Ah non, t'as déjà payé. Ah oui, t'as déjà. Lui, il peut répondre en pilotant. Épicurien, j'aime bien. Épicurien, renfort, go. Et renfort. Maintenant, tu peux attaquer avec ta 4-4 et quand même faire le play avec gardienne, donc t'es très bien. Oui, je pouvais, mais c'était savoir si j'attaquais parce qu'il peut crew double bloc. Une bête quand même. Ouais. J'aurais dû attaquer avant. Bon, il a pris dans tous les cas. Là, tu fais des choses qui sont très au-dessus de ce que propose son deck, quoi. Whatever. Dès que t'as un land, t'as gagné. Donc. Tiens. Oh, j'enlève un. Bah, en fait, on fait que faire du board, mais on l'attaque pas. Sur un, j'ai gagné, c'est mieux que ça. Ok, ok. J'ai plein de cartes en main en plus. Comme c'est très. Enfin, ça fait que snowball finalement quand t'as des chevalières aussi, donc c'est pas inintéressant. Ah, mais on a sachant que tu vas quand même l'attaquer le tour d'après avec 2-3, double 4-4. En fait, on gère plus. Enfin, il gère plus, pardon, ce qu'on fait déjà. À moins qu'il y ait du side. Je sais pas s'il a pas des Brothers End et tout après side, tu vois. Ça tue bien son board, hein, Brothers End. Ça tue bien son propre board. Non, je pense qu'il faut qu'il joue des trucs genre 1 ou 2 dégâts à tout, là. On connaît les gens de ladder, surtout ceux qui jouent pirates, finalement. C'est vrai que les pirateux, on les connaît. Et des filous. Ah bah c'est bon.
Oula. Il s'en fiche que tu puisses lui proposer l'étal sur le comeback? Sur le 8, callback. Ah, et ben, par contre, 8, 11, il 13, aura une 14, gestion. 15, 16. Ouais, on a l'étal, donc il doit avoir un anti-bête à 1. À Du moins qu'il n'ait coup, pas landé. à 2, hein, parce qu'il a 2 trésors Ouais, non, encore. non, c'est une map là. Ah, c'est une map, ok. Ah, tout à l'heure, je croyais que c'était ça aussi, Ok, peut-être d'accord. que. Voilà, mais. Bah là, il a les deux manas, mais il doit jouer maintenant. On a quand même l'étal sur beaucoup de choses. Sur Sur ce ça. land. Typiquement. Nickel. T'as pas l'impression que ça fait des choses vraiment broken pour le standard, notre paquet? Ouais. Illégal. Qu'est-ce que j'ai fait, Val? Pourquoi c'est Je vais me illégal? faire arrêter par la Et puis police. attends, 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 attends. À quel moment c'est les pirates qui définissent ce qui est légal? Moi j'ai regardé One Piece, Non, ça c'est se passe pas l'arbitre. comme ça. Hein. L'arbitre, il a sifflé. C'est en fait, on faisait Ça un fait dévier backfight. pop pop! Ok, d'accord. Meilleur arbitre du monde arbitral, hein, d'ailleurs, pour cet arc. L'arbitre du Devil Backfight. Oh non, il est en train de faire ses Je l'ai étirements. pas Il a revu pas récemment regardé. parce que je suis avec ma compagne. Tu la skip? Ah oui. Moi j'aime bien. Hein. Moi je Devil Backfight, ça fait partie des bons moments de One C'est Piece pour rigolo, ouais. moi. Mais maintenant je design One Piece à Oui, son goût. je comprends. Donc il y a beaucoup de choses. Il marcherait pas. Bon, les combats contre Chiapapa, ça En fait, dégage. vous allez nous doubler en Ah sautant mais tous les arcs chiants. la manière dont on consomme. On saute aucun arc maintenant. Ok. On saute des passages. C'est-à-dire que les D'accord. combats contre tous les randoms, genre Chiapapa, ça dégage. Très bien. Très bien, très bien. Et donc du coup, bah ouais, des V-Back Fights, ça fait partie des moments Ah, je dis humain par contre. qui sont passés à travers, quoi. Humain. C'est dommage en plus parce Humain. que t'as vraiment la prise de pouvoir de Zoro en tant que second de l'équipage quand il remonte un peu les bretelles à Chopper. Ouais. C'est un vrai moment qui est intéressant dans le Devil Backfight, en tout cas pour elle, parce qu'elle aime s'attacher, ma compagne, au personnage, le côté aventure. Et ça aurait été utile, mais tout le Devil Ouais. Backfight pour cette scène-là. Ça vaut pas le coup. Voilà, non. Tu peux lui dire quoi. Je. Ça vaut pas le coup. Oui. Enfin, pour ça, Pas la pour elle. manière qu'elle va avoir d'apprécier One Piece. Petit épicurien là. Mieux frontalier. Si je pioche le truc qui détruit. Je suis d'accord, ouais. Démolition jubilatoire. Non. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui. Oui. Comment il Oui. s'appelle ce chevaucheur d'elfe là? C'est dingue. Mordel. Mais en plus, ça peut pas être. Ah oui, c'est un chevaucheur elfe, pas un chevaucheur d'elfe. Donc c'est peut-être chevaucheur elfe. Parce que chevaucheur d'elfe, ça veut dire que t'as des elfes en mode poney. C'est Il bizarre. le tient comme ça. Allez-y, patron! À l'attaque! Oh, pour moi, il est sur une espèce de wargue, tu vois ou pas? Worg, ouais. Ouais, mais du coup, ça fait plus dino. Pas pour moi, mais j'aimerais bien le revoir, pour être sûr. Humain. J'attaque juste. Mais comment il s'appelle ce dindon là? Ce zozo. Ah, ça va nous revenir Je le trouverai comme pas. le nez au milieu de la figure. Eh oui, pourtant on l'a joué ça en plus. Hein. Dis donc, dis donc. J'ai l'impression que je peux le trouver. Mantis Rider. Tiens. Il y a chevaucheur dedans, donc quelque part ça fonctionne. C'est quoi? Ça m'a bandé. Je vais chercher maintenant. Mais comment tu le trouves? Tu vas taper F dans la barre de recherche? Ben non, je Ah, me mais oui, rappelle tu vas l'extension. dans. Ben oui, bien sûr. Tu vas dans Dominaria. C'était il y a un moment quand même. Dominaria, c'est. Tu peux remonter une chouille. Ouais. Ça. Et du coup, vous allez savoir maintenant si c'est Et un on va dinosaure ou un savoir. loup. Ah! Champion Le feuillatier. champion feu. Steel Rien Leaf à champion. voir! Rien à voir! Ah, presque. Ok, mais alors je vois le loup, mais je vois aussi ton dino. Et Tu vois ce que il y je a veux du dire ou dino, pas? hein. Mais Il finalement. y a des écailles et tout, hein. Ah non, moi je vois de la laine. De la laine un peu Je me ferai un grossière. petit pull moi avec ça, tu vois. Attends, j'ai une illustration. C'est pas des écailles ça. Ah si, il a des écailles mais en laine. Mais comment ça, des écailles en laine? Mais regarde, ça fait un peu duveteux. Non, tu dis n'importe quoi là, tu fais intéressant, Val. Ah ouais? Non mais c'est vrai qu'il a une tête de Attends, Triceratops. on a un art alternatif. Là, il n'y a plus de loup là. Mais gros, je viens d'avoir une révélation, c'est un Cavru. C'est vrai que ça fait cavru C'est littéralement un sur Cavru, l'art gros. alternatif, c'est sûr que c'est un cavru. C'est dingue. Dites-nous, vous, dans les commentaires. Alors, finalement, le loup, je retire. C'est pas un loup. Mais dites-nous. J'ai mal vu, autant pour moi. Mais dites-nous si c'est un dinosaure, du coup. Là, je peux faire Le Steel Leaf Champion, mais c'est dingue. épicurien. Mais c'est dingue ça! Tu peux faire frontalier aussi. Tu peux tout faire, Je finalement. peux faire ça. C'est ce qui est beau, c'est que tu peux tout faire et lui, il va rien faire. Et ça fait plaisir. Et j'engage tout, non? Ah oui. Je garde pas de blockers. Ah non. Ah non, parce que tu sais que s'il attaque, l'Empire contre-attaque finalement.
Oh! Bah, gardienne. Ça et évangéliste. Hein. Ouais. Et du coup, je peux caster Gardien parce qu'il me reste un mana blanc. C'est délicieux! Il est pas trop bien ce deck. Je pense que si tu veux farmer le ladder, il est Oh! ultime. Mais non! Mais non! Mais non! Non, je crois que je veux des Imodan ou C'est un peu gourmand. des Imodan ou des Chevaliers Bon. là. Tiens, vraiment, là, Exceptionnel on là. rejoue pas au même Là, ce jeu. que j'ai fait là. Ah Là, ouais. ce que j'ai fait là. Oh, ce que j'ai fait, tu as vu ce que j'ai fait un peu là? Salette. Comme dirait mon père. Il dit comme ça. Il dit salette et il fait un Salette. truc avec ses doigts. Les mains de garagiste de mon père, du coup. Il les fait claquer en faisant ça. Tac, comme Mais ça fait ça. genre. Genre vraiment, jamais tu ne feras ce bruit avec ta Est-ce main. qu'il te dit, parce que pour moi c'est vraiment un truc de daron, est-ce qu'il dit ça bombarde? Ouais, ça Ouais, bombarde. ah, ça bombarde. Ça bombarde. Bah, il a fait des rallyes Ouais, toute sa mais vie. Ça pas bombarde. forcément en rapport de sport auto, hein. Juste un truc Ouais, qui mais déchire, tu vois. il a dû employer le Il a terme. déjà employé, ça Mmh. bombarde. Mais c'est pas genre Genre son t'as un expression nouveau pétiche. blouson, il est en bas, putain, il bombarde. Ah, je sais pas si pour Il un vêtement il va l'utiliserait pas dire. comme ça? Non, Ok. pas comme ça, je pense. Mais pour un truc qui va vite, ouais. Ah Oh, il oui. bombarde lui, tu vois. Genre, il se fait doubler par un type. Alors que nous, ça pousse. À nous, ça pousse. Eh oui. Faudrait que tu lui dises, oh papa, ça pousse, hein. Franchement, je De lui quoi montre tu Eddie parles? Malou, je peux le convertir. Il y a moyen. Attends, mais il fait n'importe quoi lui aussi, par contre. Hein. Sauf que nous, Oui. on a fait n'importe quoi. Oui, mais Mais ça lui, il va. fait deux porte-quoi. Tu penses? Non, on fait vraiment n'importe quoi, Après, nous. non, Hein. je tombais, je suis fort, On quoi. fait n'importe quoi, nous, Je vraiment. suis fort. Bah allez, hein. Let's go. Oh, je suis frontalier, il m'a C'est fou foulé. que tu te rends compte que ce deck-là existait avant qu'Imodan sorte. Et c'est Ouais. comme si on lui avait donné, tiens, Tiens, il y a tu veux mieux. pas ça plutôt? Ah bah oui, je veux Ah ça, bah ouais. oui, je veux bien ça, ouais. Alors attends. Il peut interagir, il en tue un, il en bloque un. Alors il tue la 1, 2, 3, 5-4, 4, admettons, 5, il est trop 6, fort. Non, il peut pas tuer la 5-4 en éphémère. Il 7, 8, tue 9, Imodan, 10, il 11, 12, bloque. 13, 14, 15, 16, 17. S'il bloque ça. 6, 8, Ah non, c'est bon. Je crois 10, que je peux attaquer avec 12. tout. Tu mets 16. Si jamais il tue la 3-2 et qu'il bloque la 5-4, tu mets 12, tu mets 16. Mais on n'est pas mort sur le comeback. T'as compté ça ou pas? J'ai pas compté ça, tu mets 17. C'est bon. Bien vu. Ah oui, j'avais compté. Il me semblait 17, Tu mets mais t'as 17 vu que j'étais pas sûr? Quand exactement. tu m'as dit 16, j'ai dit: Oh merde! Non, 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 T'as pas dit j'avais pas 17. compté le truc du frontalier. Et il avait pas intérêt. Extraordinaire. J'en reveux. Ça n'a pas dit un mot. Je peux en reprendre? Bon, ça va vite. De toute Merci, façon, merci. tu peux en bouffer, hein, y a pas de galère. Ça fait plaisir. Niveau hors 3, C'est juste en que plus. là, on partait sur une super belle émotion, tu vois. Là, je vous offre peut-être Alors qu'on est peut-être sur une game de trop, peut-être. ce qu'il y Peut-être. avait sur le sol de mes chiottes hier. Tu t'es trompé de trop. Il y a quelqu'un qui est venu chercher un tuyau. Ah, putain, je croyais que t'allais me dire, il y a quelqu'un qui est venu chier par terre. Quelqu'un qui est venu chier par terre dans mes chiottes. Ah Non, ouais. il a dû changer un tuyau qui avait Un tuyau comme ça, il une l'a légère. changé? Ouais, ils ont pas vu le truc, mais ils ont vu ton geste. Ouais. Mais tu En m'as fait, dit, il est c'était venu pour. changer un tuyau. Et oui, on change Alors pas de tuyau moi comme je ça, moi. montre ce que tu as dit, quoi. Bah, il Parce change un tuyau. Ah. Il est venu. Il y a C'est un type vrai. qui est venu changer un tuyau, il a chié dans mes cheveux par terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé chez T'as une moi journée hier? incroyable, toi, chez toi. Hein. Ouais, c'était pas une bonne journée en plus. C'est Ah une journée putain. longue. S'il fait pas sa vie en Ah, même temps, ah bah non, on n'est pas content. Pas satisfait. s'il change mal le Alors, tuyau. c'était un raccord bah, qui emmène le cax et la pisse Ok. loin de chez moi. D'accord. Et en fait, comme ce tuyau était vieux et n'avait pas été changé, Ok, il l'emmenait pas assez loin. il l'emmenait pas assez loin. Il l'emmenait sur le Donc il y palier. avait. Bah, en fait, c'était qu'il y avait une petite goutte de temps en temps qui fuitait. Ok. Mais vu ce qui passe par là, Ah oui, bah tu c'est veux pas de la pas. cristalline. Qu'importe Pourtant, la ça goutte de goutte, source. qu'importe la goutte, ça fait pas plaisir. Ah non, c'était pas très agréable. Oh Donc putain. il est venu changer pour qu'il n'y ait plus cette goutte. Mais forcément, quand on enlève un tuyau C'est vrai que cette qui goutte, évacue le c'était cac. vraiment l'élixir de saveur, quoi. Ouais. Tu vois, si tu veux reproduire l'umami, c'est peut-être la goutte que tu mets dans ton ramen, tu vois. Il y a vraiment toutes les Oh non, mais saveurs il est du. goûteux ce bouillon. C'est un équilibre, tu vois. Ouais, c'est pH neutre. Ouais, grâce à ça. Ah là, je vais pas vous mentir, il est 14 h. Ne mangez pas On est devant sur cette la game de vidéo, trop. je vous en supplie. C'est quelque chose. Oh. Là, c'est quelque chose. Et tu sais ce qui est drôle? Oui, C'est que comme cette ça l'était vidéo, déjà. elle sort dans un moment par rapport à quand nous on la tourne. On va oublier Enfin, ça. dans 4 jours, 4-5 jours. Oui. On va oublier. Ah Mais quand ben on va oui. voir les commentaires, on va se dire, Eh qu'est-ce qu'on oui. a fait déjà? Qu'est-ce qu'on a raconté dans Qu'est-ce cette qu'on a game? raconté? Donc mettez les time codes, comme ça on se rappelle qu'on était très cons. Ouais.
Bien sûr. Et je vais boire de l'eau. N'hésite pas. Tu veux la goutte du plaisir? Non, je l'ai plus. Dans J'ai coupé le ton... robinet. J'ai coupé le robinet. J'ai envie de garder, juste parce que j'ai un mana rouge et ça. C'est grave, docteur? Ouais, c'est grave, c'est pas bien. C'est un peu grave, mais... Non, non, vas-y, Mulligan. C'est quoi, je fais ça et tu me dis stop. Stop! Ah, j'ai regardé, j'ai triché. Ok. Ah, t'as regardé? Putain, moi, je suis crédule de fou, hein. En plus, ta main, elle est pourrave, quoi. Ouais, non, vas-y, enlève la picorne. Non, enlève la picorne. Bah, j'enlève une tige. Non, enlève la picorne, c'est Mais là, pas... c'est pour une tige. Bah non, ça te fait Si, je piocher fais les cartes. confiance. Mais c'est nul, la picorne. Mais non, c'est bien, on a deux renforts résolus, c'est énorme. Ah, tu veux taper fort, toi? Ah, oui, Parce que regarde. c'est pas le plan du jeu, hein. C'est Ouais, que je suis à deux mais. doigts de dire même la picorne, je sais pas ce que ça fout dans le deck. Oh, quand même. Je te jure. Ah bah Bonjour. bonjour, à mes soies. Humain. Ou alors tu dis lapin. Ah, c'était. Ouais, quoique non, on veut jouer ça en. Ouais, je sais pas en fait. Non, non, mais non, c'est bien comme ça. En fait, c'est pour les draws futurs, Je dis des bêtises. humains, c'est mieux. Je dis n'importe quoi. Voilà, pour celle-là. Voilà. Voilà donc. Joue donc tempo, fils. Sais que lapin, du coup, je suis traumatisé du... Chat de Water Seven qui fait miaou, Ah ouais. qui est un Avec lapin. une grosse voix. On est tous d'accord, c'est pas un chat, c'est faux. Oh, d'ailleurs, en parlant de chats qui n'en sont pas, il y a un chat dans Désenchanté. Tu vois ce que c'est? Non, La série sur Netflix par Matt Groening. je vois pas ce que c'est. C'est genre médiéval fantastique, rigolo, et c'est genre même dessin que les Simpsons. Ok, d'accord. Et je recommande d'ailleurs, hein, c'est fini maintenant, il y a 5 saisons, c'est très très drôle. C'est Disney? C'est un Non. truc qui se moque de Disney? Non, c'est. Enfin. Bon, rien à voir avec Disney, Pas quoi. spécialement, mais tu retrouves des clins d'œil, ouais. D'accord, ok. Et y a un chat dedans, et genre il parle comme ça, Ok. et il fait que dire, genre. Il y a un Ok. mec qui se cache, il fait, genre il est derrière en fait. Et ben moi, C'est les petits extraordinaire. animaux mignons, ils parlent comme ça m'amuse. Est-ce que. Non, je peux Non, pas. je crois que tu fais renfort, chevalier, ouais. Merde. Bah c'est bon. Ah ben non, il a qu'un mana. Ouais, c'est bon. Là, j'ai eu peur du contre, mais c'est bon. Ah, ok. C'est moi le contre. Il a force spike. Putain, mais mince, mais t'as Pas pas de chance, vernis. hein. Pas Ah non, vernis, ouais. pas vernis, Non, non. non. Bon, on affronte un très bon deck du format ici. Azorius Tempo, Goélette, je pense, Oui. au vu du mouillage tourmenté. Moi, je croyais que t'allais faire une référence Non, non. par rapport au le mouillage, le bateau, tu vois. Non, malheureusement, mais. Mais c'était propre. Il fait rien. J'y mettrai deux Lapinoux. Cossu. Ben oui. Ou Deux alors, Lapinoux, non. hein. Ah non, je peux pas. J'ai qu'un mana Peut-être blanc. que tu mets qu'un lapinou et tu mets gardienne épicurien. Bah, de toute façon, je peux pas faire deux Lapinoux. Ah oui, ben oui, oui. Effectivement, il Et n'est oui, pas bah humain, oui. lui. Qu'est-ce qu'on veut pas contrer ça? Ouais, vas-y. Ça, avec le contrat 2 là. Avec mec 10 de pierre. Oui, merci. Tu te fais. Merci. Tu te Très fais. beau, Steve, Il j'aime est bien. très joli. Je pense que épicurien, tu peux le bazarder en premier. Oui, il le connaît en plus. Là, il contre. Ça nous va, hein. Non, il tue la Picorne. Ça nous va aussi. Oh, il le tue pas. Donc ça nous rend plus fort. Et gardienne buff, hein. Et t'attaques juste avec ta 4-4, je pense. 4-4, il double trade, je tue que des nicks, c'est pas fou. Peut-être pas. Non, juste Déjà, du je buff. commence par une fois ça. Ouais. Ah oui. Excellent. Ah oui. Il n'y a que Imodon qui est mieux. Et je rebuff. Et je garde. C'est débile, gardienne. Et je rebuff. Non. Est-ce que c'est ok de trade des nicks? Je Du crois coup, oui, on a parce que un si elle meilleur passe board. son tour à faire des nicks, ouais, c'est bien. Oh bon. Nickel. On a un Mais bloqueur attends, et mais il a pris gardienne, 4. c'est débile, en fait. Ah bah dans ce deck, ça marche très bien. Ah bah dans ce deck, il Ah est bah non. genre trop fort. Ah bah dans ce deck, je peux te dire, mon pote. Quoi couper contre lui? Mets tout ce que tu veux, je Ça, pense que de toute façon, on le déglingue. ça l'emmerde fort. Mais barrage lithomantique. Évidemment. Et c'est tout. Qu'est-ce que tu veux pas? Frénésie, on s'en Ouais. fout. Parce que bah, globalement, Toujours il a pas de pareil. Shulred, lui. Non, mais c'est Quoi, vrai. tu te moques de lui? Oh, il n'y a pas de Oh, il a Sheldred. pas de Oh, Shulred. le nul! Pauvre. Inti. Que de safe. Avec Talia, c'est pas mal. Peut-être un Lapicorne. La Bon, c'est Picorne, on peut en enlever pas un. brillant. Et Évangéliste, quand même pas J'allais te bon. dire évangéliste, mais on sait très bien pourquoi on l'enlève. Parce qu'on sait pas trop. Parce qu'on sait pas trop. Et que la carte nous fait pas rêver. En fait, quand tu dis évangéliste, tu dis à ton oppo, je vais te détruire, quoi. Ouais, Y a pas de c'est surprise. évangéliste et ah, si je passe un tour avec. Oui, bah oui, je vais pas te laisser faire Oui, ça. bah tu vas pas passer le tour, quoi. Et en même temps, du coup, on a 2-1 un fly.
Non, mais qui passe pas c'est le une tour. bonne carte, c'est ok. Je trouve qu'il manque un petit lifelink quelque part, sur la bête, genre. Ouais. Sur l'évangéliste, parce que sur les tokens, c'est un peu abusé. Je suis ok. Je crois que quand t'as renfort chevalière, Ouais. même si tu fais un départ un peu mou, c'est bien, quoi. Surtout que tu dis humain sur chevalière, du coup tu prends pas mec 10 de pierre. Non, c'est Gucci, ta main elle est trop bien. Peut-être faire Talia tour 2 là. Tu peux peut-être faire Talia. En fait, s'il te fait goélette maintenant, c'est un peu dommage de faire Talia, Ah! finalement. C'était donc ça le problème. Ah, il joue pas à Zorus Tempo, il joue Esper Ouais. Rakun. Ça modifie pas globalement notre manière de sider. Donc là on est humain. Et tu vois, là, moi je ferais quand même renfort résolu parce qu'à mon avis, si tu fais Talia, il répond juste par Rafine et Osef, quoi. C'est vrai. S'il fait annonce du mariage, on est beau là. On est beau On là. est beau là, on est une maladie du coup. On est beau là. Ouais. Bien vu. L'ami Rafine. Bah nous du coup on est safe pour faire renfort into chevalière. Ouais. Oh, mais garde des contre-up enfin dans la caverne des hommes. Quoi, du crabe cul? Et est-ce que tu peux jouer un truc? Je peux frontalier pour chevalière et avoir pour retrouver des imodanes. Ouais, c'est mieux je crois. Mais du coup, je me sers pas de frontalier quoi, mais c'est Non, pas grave. mais Osef, ouais. Franchement, si t'as des Imodanes que tu les prends pas, ça fait chier, quoi. Là, au moins, tu prends toutes les cartes de ton paquet. Ouais, toutes les cartes de monde avec Yugi. Bah juste pas chevalier. Ça ne Et ça ne nous change aura rien. pas aidé, mais en Talia, t'es déjà, je pense que tu reprends renfort épicurien, classique. Épicurien, c'est toujours important de le prendre pour que ta démolition jubilatoire fasse un que truc. Oui, c'est vrai, parce que du Histoire coup, on avait de. le Yotien là, mais il est parti. Histoire de pouvoir jubiler. Par contre, j'avoue que si jamais on devait resider contre lui, je mettrais des petites Destroyables Eh finalement. oui. Parce qu'il en Eh a. oui. Il en a des Shieldred, le poulet. Eh oui. Mais oui, comment le sais-tu? Mais oui. Et il attaque, hein, il n'a pas peur. Hein. C'est légitime. Pascal. Oh. Je crois que Talia renfort up, c'est bien. Hein. Du coup, ça, humain. Ouais. Faire Talia. C'est ça. Tu mets 2 points et renfort passe, quoi. Enfin, renfort up et. Et déjà, Ikimodan, tu commenceras à rentrer quelques points là. Ouais, ben bah, 1, 2, Tu 3, pourras 4, faire 5, Épicurien 6, 7, puis. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et t'as compté avec Épicurien le ping plus les deux? 4, 14, 15, 16. 16. C'est pas mal. Bah, je vais faire mieux, je vais faire la picorne. Tu peux Je même m'écoute faire la pas. picorne. Et je pense Oula. que là, il prend la sauce, hein. Ah là c'est la maxi. Hein. Ouais. On le max, lui? Maximilien sauce On gazus. lui met la max? Ah oui. Mais il est trop fort, notre deck, on est d'accord? Imbattable. Je le pense. Titre. Je pense réellement que le deck est vraiment bien. En tout cas, Rafine, c'est pas Moi je peux le. j'aime bien hein, ce qu'il fait. Hein. Pas C'est vrai qu'il a pris une le. dessaleuille du coup. Bon. Ouais. Tout de même. Enfin, Hein. il a fait une colordes, quoi. En plus il a pas de cooldown là. Ah bah, Donc tu là peux je tout suis jouer en in. plus. Ouais, je lui mets, hein. Ah non, tu dois choisir. Eh ouais, non, Non, tu je dois peux faire choisir. ça. Ah Ouais. oui, non, je peux pas faire ça. Mais ça, c'est très bien. Bon, ouais, vas-y, mets-lui tout, là. T'as pas le time, quoi, sans doute. Bonsoir. Salut! C'est proprio. Comment ça va? Ah, il faut bloquer le Picorn. Hein. Ah ben oui. Le 8-7 là. 8-7, il fait mal. Il prend quand même 14, hein, Michel. Ouais, en plus avec Épicurien, t'es pas loin de pouvoir grignoter les derniers PV. Je crois que c'est échec et mat, hein. Là, même chez Oldred. Oh, belle! Ça, c'est vénère, par contre. Mais du coup, il peut pas attaquer. Bah écoute, Evangeliste, c'est Je plutôt une bonne mets draw. du board. Tu sais que t'aurais kiffé avoir bivouac, c'est là où la carte elle va briller en fait. Hein. Hein. Ouais. Je mets son petit point. J'ai mis 3 bêtes de plus. Ça. Et je vais pouvoir recycler ça. Ouais. Attends quand même à ton tour au cas où t'aies une démolition jubilatoire, peut-être. Ben. Non? Ouais. Je sais pas. Ça te coûte rien, t'as plein de mana en vrai, tu Je fais attendre peux d'avoir ta attendre, draw. ouais. En fait, c'est que si j'ai une démolition, ça n'attaque pas, donc c'est Ça peut-être moins n'attaque pas bien. à on the spot, ouais. Il va falloir tuer par contre là. Là tu tues encore. Il va peut-être attaquer. Ah, s'il attaque, il gagne 2 PEV. Il faut qu'il attaque, ouais. Ah et là on le tue plus. Ah, j'aurais dû recycler peut-être. Avant? Ouais, quoi que 2 PEV, on s'en fout. On est aggro. Oui non, nous on s'en C'est cague. bien joué d'avoir. Top des Kesha Red? Ou alors il l'avait en main? Non, d'avoir joué Azorius à la 1 et Esper à la 2. On a mal sidé du coup. C'est pas mal, ouais. Alors t'étais pas mort, poulet.
Ah bah si, je buff tout, il bloque Ah que la si, plus mais si, grosse. oui, il y a Evangelist Et qui oui. cry, bien sûr qu'il était mort avec Battlecry, Mais il pardon. fallait quand même qu'il attaque au cas où, mais. Pour trouver un cutdown, je pense. Il avait landé ou pas? S'il avait pas landé, ouais, il pouvait trouver Je pense ça. qu'il devait pouvoir chercher cutdown pour péter le Battlecry, et dans ce cas-là, on ne tuait pas. Trop Ouais. bien le deck, franchement, impressionnant. Insane. Picobello, comme dirait le Picobello. poteau Lancelot. Il est où? Il est là. Bros convoque. Franchement. Franchement, pour farmer le ladder, solide, hein. Rien à dire. Rien à dire. Non, franchement, trop bien. Ça, par contre, je me demande si main deck, on les veut vraiment. Parce que quand tu vois Shield Red, en vrai, on dépasse souvent, tu vois, à la une. Tu dépasses assez facilement ce que fait Sholdred. Peut-être que tu veux un quatrième évangéliste, un quatrième lapicorne à la une. Vraiment, t'es all-in. Et à la deux, c'est là où tu Des rentres. turbo combo? Ouais, peut-être. Peut-être. Parce que Après, ça peut te gêner un peu, c'est quoi. facile. Oui, ça te peut te gêner dans tes sorties, surtout si t'es en mulligan. Mais par contre, entre guillemets, quand ton deck il développe son plan de jeu, c'est tellement Ouais. pour 5, je mets 1. Pour 1, je mets 5. Pour 5, je mets 1, c'est une crotte. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas dingue. Mais après, c'est vrai que contre 4C rampes, comme il faut te développer un peu, ça peut être chaud. Et son ange, bah t'as vraiment besoin de le gérer. En jeu, Pour ouais. qu'il n'y ait pas de bloqueur lifelink. Non, j'aime bien la liste, je trouve qu'elle est plutôt fine, quoi. Même Caverne Ouais. des âmes, c'est malin, tu vois. Mais j'aurais pas pensé à la jouer alors que c'est vraiment déterminant contre Ah, c'est certains trop decks bien, du ouais. format. Très très bien, ouais. Trop bien le paquet. Ouais. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partagez vos noms, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValPL Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, c'était de C'était de la la belle belle magie. magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.